C'est une superbe édition. C'est une superbe édition parce que les producteurs, les transformateurs de Centre-Val de Loire sont beaucoup plus nombreux que les autres années. C'est une superbe édition parce que nous avons un espace pour le Centre-Val de Loire qui est très, très augmenté. C'est une superbe édition parce que on a vraiment des talents dans tous les domaines qui s'affichent. Tout cela donne de la production agricole dans sa grande diversité, l'élevage, les grandes cultures, l'horticulture, vraiment une image de diversité, diversité positive, diversité ambitieuse. Et puis c'est une très bonne ambition parce qu'on pose aussi au fur et à mesure de nos circulations les vrais problèmes de l'agriculture. On se met d'accord pour une utilisation maîtrisée, partagée de l'eau. On pose des vrais problèmes qui sont ceux de la transmission des exploitations. Comment on donne aux jeunes la volonté de réaliser leurs désirs, qui peuvent être des désirs d'entreprendre dans l'élevage, par exemple. Et puis, on se dit aussi les enjeux du rapport à la société. Comment donner envie à tous ces consommateurs qui ont aujourd'hui des exigences en termes d'environnement? Eh bien, soyez les acteurs de l'amélioration de votre environnement. Soyez les acteurs en consommant des produits de qualité, des produits de saison, des produits proches de chez vous. Donc, les problèmes sont bien posés, sont magnifiquement posés dans une ambiance qui est une ambiance vraiment extrêmement volontaire, extrêmement optimiste.